mon frère. Bonjour. Quelle nouvelle? Les Allemands sont entrés à Paris. Quoi? Qu'est-ce qu'on va devenir? Clément. Ayez du courage. Votre recours en grâce a été rejeté. Il faut payer. Pourquoi pas? Votre guillotine a l'air un peu vieux jeu. S'il se rapproche encore, nous serons tués avant lui. Hier, un chapelet de bombes est tombé au beau milieu d'un enterrement. Tous les gens du cortège se sont enfuis. Ils ont abandonné le cercueil près de la fosse. On s'amuse comme on peut. Je suis bien là, moi. Ne voulez-vous pas prier, Clément? À cause d'un policier qui a été tué dans une bagarre? Vous avez avoué votre crime? On était beaucoup de grévistes devant la porte de l'usine. J'ai dit avoir frappé un flic. Pensez-vous avoir mené une vie décente? Ça peut le passer à une vie, moi. Dieu n'en promet pas de facile aux hommes. On en a la preuve. Je ne puis pas croire que vous n'ayez pas de cœur. N'aimez-vous pas votre pays et l'humanité? L'humanité? Vous la trouvez belle, vous? Chaque fois que je l'ai cherchée. Ah. Dieu est en tout homme. Il est en vous. Ne sentez-vous pas que la vie est bonne? Que la terre est douce? T'as encore une petite place? Oui, grand, merci. Où allez-vous? Vers le sud. Ouais, vers le sud. J'ai perdu ma compagnie. Où elle m'a perdu? Moi, je suis parti de Sedan. On était allé à Troyes faire une corvée de nettoyage et en revenant, plus de régiment. Oui, nous étions en Belgique. On donne l'ordre, repli, repli. L'année dernière, j'ai vu l'armée descendre les Champs-Élysées. La plus belle du monde. Mais tu ignorais qu'il n'y avait pas d'autre tente que ce que tu voyais. En Champagne, il n'y avait pas un avion. Ils étaient tous en Belgique. Et en Belgique, on disait qu'ils étaient en France.
Où sont-ils, les Fridolin? Ce soir, ils sont à Tours. Ils seront sans doute à Bordeaux avant qu'on y arrive. Dans une semaine, il n'y a plus de France. Je te répète pour la dernière fois qu'on les arrêtera quelque part. T'en as donc pas encore assez? Je vais encore me battre? C'est pas vrai. C'est un cauchemar. Tu parles. Dire que c'est moi qui te dis, je ne tiens pas à rester là. Dis-moi. Hé, si ! Me voilà, attends ! Hé, les gars, on va pas plus loin. Dites, sergent, pouvez-vous me dire où ils vont? Excusez-moi, sergent, vous ne savez pas où ils vont? Peut-être en Espagne, puis ensuite en Afrique. En Afrique? Pourquoi faire? C'est là où va le gouvernement. En Afrique? Pourquoi en Afrique? Ont-ils des avions, des tanks, des mitrailleuses? Et la flotte, tu l'oublies? Attends qu'on se réorganise et nous ferons ce chemin dans l'autre sens. Je ne sais pas quoi faire, sergent. T'as une pipe? Oui. C'est ta dernière. Prenez. Merci. Est-ce qu'on est à Bordeaux, sergent? Non, ici, c'est Saint-Jean-de-Luz. T'as une allumette? Non. Allons au café, on en trouvera bien. Où faut-il que je me présente, sergent? Est-ce que je le sais? C'est la première fois que je viens là et je ne sais pas à qui m'adresser. Vous pouvez me donner des ordres? Oui. Allume ta cigarette. Je suis content d'avoir trouvé un sergent. Je m'appelle Monge, Jean-Michel Monge. Du fromage? Oui. Et donnez-lui à boire. Oh, merci. Un paysan me l'a donné. Entre pays, on se reconnaît. Et d'où êtes-vous? La Normandie. Ma famille est toujours là-bas si les Boches ne l'ont pas chassé. C'est ça qui donne le cafard. Hé, hey, c'est l'heure du journal parler. On va peut-être savoir où on en est. Oui, ils vont encore nous parler du fameux repli stratégique. Ici, Radio Diffusion Nationale. Venez écouter la radio! Venez! Hé, hey, les gars! Venez! Nous vous donnons lecture d'un communiqué très important du maréchal Pétain, chef de l'État. N'est donc plus Paul Reynaud qui est au gouvernement? T'as dormi toute la journée, c'est Pétain qui est président du Conseil. Pétain? Mmh. Oh, chic! Lui, il nous sauvera. At the call of the President of the Republic, I assume, beginning today, the direction of the government of France. I say that by the affection of our admirable army, which is fighting with a heroism worthy of its long military traditions against an enemy superior in numbers and arms, by the magnificent resistance
with which it has fulfilled our duties to our allies, by the aid of the war veterans whom I am proud to command, by the confidence of all the people, I give to France my person to assuage her misfortune. It is with a broken heart that I tell you today, we must stop fighting. I addressed myself last night to the adversary to ask him if he is ready to seek with me, as soldier to soldier, after the actual fighting is over, and with honor, the means of putting an end to hostility. Gabouer. May all Frenchmen group themselves about the government which I head during these trying days, and control their anguish in order to be led only by their faith in the destiny of the fatherland. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est la fin de tout. Un armistice. C'est pas possible. Et notre traité avec l'Angleterre? Pas de paix séparée. Moi, je vous le dis, c'est un tour d'ébauche. On est bien foutu. Et ça, 2,50. L'armistice? Mais je ne comprends pas. Ben quoi, tout est foutu. Il n'y a plus personne pour nous donner des ordres. Alors maintenant, chacun pour soi. On a demandé l'armistice. Ça ne veut pas dire qu'ils l'accepteront. Les Boches nous tomberont dessus avant que ce soit signé. Non, penses-tu? Ils sont pas encore là. Qu'est-ce qui peut les arrêter? Toi? Demain, nous serons tous faits prisonniers. Je peux vous conduire en Espagne. Pour moi, j'irai en prison? Non, merci, mon vieux. Je ne peux pas y croire. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il a dit? Hé, hey, qu'enlevez-vous l'ancre? On a pareil. Quelle est la prochaine escale? Dakar. Je peux embarquer? Il y en a déjà pas mal de montées à bord. Vous n'aurez pas grand-chose à manger. Oh, ça fait rien. Alors, adieu, paysan. Vous allez à Dakar, en Afrique? Et comment, pendant que vous planterez vos pêtes pour les Boches? Pour les Boches? Non. Je ne ferai pas ça. Vous avez raison. Venez donc. Oui, c'est le chemin le plus court pour rejoindre la Normandie. Je pars avec vous. Il n'y a plus de place en bas, sergent. Vous en trouverez en haut. Des idiots. Tenez, voici vos cartouches. Bien entendu, elles n'allaient pas aller au fusil. Où sont les vivres? Tout est à Dieppe. Et comment aller à Dieppe? Impossible, les frites sont dans la ville. Si le théâtre était dirigé comme ça, il aurait déjà fait faillite. Tu parles? Je suis dans la banque. T'es banquier? T'as une banque? Je suis caissier en seconde de la Banque Dufresne à Lyon. Monsieur Dufresne, notre président, dit que les gens de théâtre ne valent pas cher. Qui c'est le lieutenant qui est là-bas? Je sais pas. Il est monté à bord en même temps que nous. D'où peut-être, toi, hein? Moi? De Strasbourg. T'as pas entendu parler de l'armistice? T'as plus besoin de ça? Peut-être que si. Pourquoi il nous dit ce qu'il faut faire? Comme tout officier, il aime donner des ordres. Et puis il dit qu'il va nous trouver de quoi manger. Vous allez accepter qu'il vous commande? Personne ne me commande. Oh, j'en ai marre. I, General de Gaulle, have undertaken this national task here in England. I call upon all Frenchmen who wish to be. Soldiers of France, wherever you may be, arrive. Vous étudiez la carte, hein, sergent? Quel détour pour rejoindre Dakar. Eh bien, si vous étiez le capitaine, qu'est-ce que vous feriez? J'irais tout droit. Parfait, dans ce cas, vous seriez pris. Vous cherchez à vous sauver, hein? Vous sauver? Oui, il y a des sous-marins tout le long du parcours, c'est pourquoi nous faisons des zigzags. Nous y serons dans une semaine. La Farge, je crois. Oui, c'est ça. Vous étiez au 33e d'infanterie. Hmm. Ça a dû chauffer joliment pour vous là-haut, en Champagne. Oui. Vous trouverez un autre genre de chaleur. Première émission de la France libre. Vous entendez? L'Afrique équatoriale s'est ralliée à De Gaulle. De Gaulle, qui c'est De Gaulle? C'est un de nos généraux. Il est à Londres.
Il dit que si nos colonies rallient les alliés, la guerre n'est pas perdue. Comprenez-vous ce que ça veut dire? Malheureusement, nous faisons route sur Dakar, nous n'allons pas en Afrique équatoriale. Dakar s'est peut-être aussi rallié à De Gaulle. Non, ils ont refusé. Est-ce que quelqu'un en a parlé à notre lieutenant? Inutile. C'est un officier de carrière, il acceptera l'armistice. Vous pourriez me demander mon avis. C'est vrai, je suis un officier de carrière. Mon devoir est de défendre ma patrie. Je suis heureux que le général De Gaulle ait refusé de mettre bas les armes. Je suis monté sur ce bateau parce que j'étais sûr que tout notre empire continuerait la lutte. Mais nous filons vers Dakar. Je suis au courant, mais je... Allez, mon lieutenant, dites-nous ce que vous pensez. Je sais ce que je pense, moi. Quelles sont vos intentions? Combien y en a-t-il qui veulent encore se battre? Que répondez-vous? Je veux faire ce qu'il y a de mieux à faire. Que décidez-vous, sergent? Ah, il faut me laisser le temps de réfléchir. Et vous? Dites donc, je n'ai pas vêtu cet uniforme pour que les prix de l'un piétinent mes vignes. Tu veux retrouver ta ferme? Certainement. Je me battrai encore s'il y a de l'espoir. Et même si on n'avait plus. Qu'en pensez-vous, Bouteau? Oui, mais on fait route sur Dakar. Comment peux-tu rester calme quand les Allemands paradent tout au long de l'avenue des Champs-Élysées? Moi, je suis calme? Si j'en tenais, il passera un mauvais quart d'heure, je te le jure. Je le saignerai comme un poulet. Bien. Nous n'irons pas à Dakar. Mais nous irons en Afrique équatoriale. Venez, allons parler au capitaine. Capitaine, veuillez changer d'itinéraire. Pourquoi, hein? Ne relâchez pas à Dakar. Sierra Leone n'est guère plus bas sur la côte. Les Anglais tiennent toujours Libreville. Par là, nous pourrions rejoindre De Gaulle. Nous n'allons pas à Libreville. On le sait, mais si vous aviez... Je n'ai pas à changer d'itinéraire. C'est déjà fait. Vous voulez dire... J'ai un bon poste de radio et je ne suis pas sourd. Il y a des munitions à bord. Je ne permettrai pas qu'elles tombent entre les pattes des Boches. Nous mettrons le cap sur Pointe-Noire, en Afrique équatoriale. Ça vous va? Oui, merci, capitaine. On arrose ça. Merci. Là-bas. C'est la plus grande ville du pays? Non, Brazzaville, c'est plus grand. C'est la capitale. Il y a environ 600 000 d'ici en amont. C'est le Congo belge par là? Non, c'est la Cabinda. Quoi? La Cabinda portugaise. Eh, hey, dites-moi, vous connaissez bien la région, hein? C'est mon cinquième voyage. On peut trouver du travail au Cabinda. Vous avez 1000 francs? Pourquoi? Comme caution. On vous rembourse quand vous quittez le pays. Vous voulez rentrer dans le civil, hein? Ça vous gênerait par hasard? Non, mais j'espérais que vous seriez des nôtres. Je réfléchis encore un peu. Aïe! Je me doutais que c'était chaud, ce truc-là. Caporal Cochery. Salut, mon vieux. Hafner. Monge. Monge. Bouteau, Étienne. Tu peux m'appeler Freddy. Content de vous voir parmi nous. Il fait chaud, hein? Oh non. Le caporal dit que le recrutement des forces françaises libres est à Brazzaville. Oui, il y a un train qui part dans une demi-heure. Hé, hey, où peut-on trouver de quoi manger? Eh ben, au café de la gare. Au café, on a pas d'argent. C'est une cantine gratuite. Bon. Ne vous en faites pas. Après avoir signé votre engagement, demain, vous toucherez une avance. Hé, hey, c'est gentil. Vous venez avec nous, sergent? Oui, bien sûr, je vais pas vous laisser tomber. Bravo, bravo. Il vient avec nous. Votre patriotisme s'est finalement réveillé? Peut-être bien. Écoute-moi, j'ai une idée. Non, ça suffit, je te le dis pour la dernière fois, j'ai marre des cartes. Qu'est-ce qui parle de jouer aux cartes? Pour toi, tout se rapporte aux cartes. Mais je te fais toutes mes excuses. Alors, quelle est ton idée? Dis. Est-ce que ça te plairait de t'associer avec moi? Théâtre? Non. Parfumerie. Tu n'es peut-être pas au courant, mais on est toujours en guerre. Après la guerre, crétin, c'est le moment de faire des projets pour la paix, si tu as un peu de bon sens. Où? Ici même. En Afrique? Oui, c'est un terrain vierge. Parfumerie, crème de beauté, savon, pâte dentifrice. Il y a des millions à gagner. Tu n'as pas pris un petit coup de soleil? Et toi, tu n'as pas jeté un coup d'œil sur les magnifiques beautés du pays? Si nous pouvions les convertir au maquillage, quel bienfait pour l'humanité. Il n'y aurait rien de plus chic. Qu'est-ce que tu en dis? Ma foi, je t'ai, ça cesse, ça réfléchit.
Après tout, comme tu dis, ça ne presse pas. En attendant, si ça te plaisait, on pourrait faire une petite partie. Non. Quant à ça, je n'ai pas besoin de réfléchir. Tant pis. C'est un jeu de cartes tout neuf. Ça ne te ferait pas plaisir de les traîner? Enfin... À la bonne heure. Si jamais M. Dufresne le savait, j'en mourrais de honte. Quand on nous surprend en train de jouer, on nous congédie. T'en fais pas, mon petit pote, je te soufflerai mot. À moi de donner. Sergent Lafarge. 1000, 2000, voilà. Merci. Signez-la. Merci. Bonne chance. Merci. Sergent, on nous a dit d'attendre. Je vais aller boire un verre. Attendez, c'est Cochery qui paye la tournée. Quoi? Non, merci, j'ai trop soif, j'y vais tout de suite. Alors, messieurs, vous pourrez prendre une douche et il y a des tenues légères pour vous à l'état-major. Le lieutenant Varenne s'occupera de vous jusqu'à votre incorporation. J'ai un travail à terminer. Dès que vous vous serez rafraîchi à l'état-major, vous aurez quartier libre jusqu'à 4 heures. Mais n'allez pas en ville individuellement, hein. Le sergent Lafarge vous accompagnera. Mais je connais pas Brazzaville, mon lieutenant. Le caporal Meunier se chargera de vous guider jusqu'à votre tour. Disposé? Si vous désirez faire quelques petits achats, le caporal Meunier vous conduira dans le quartier indigène. Le poteau-poteau. Sergent, vous perdez pas, hein. J'essaierai, mon lieutenant. Comment est cette boîte, caporal? Ici ou ailleurs, c'est la même chose. Bonjour. Bonjour. Où est l'entrée? C'est par là. Regardez, il fait pousser les légumes. C'est bon? Oh oui, messieurs. Que faites-vous là? Je goûte. Elle est bien douce. Qu'est-ce que vous dites? La terre est douce comme celle d'un méchant en Normandie. Les cultivateurs s'y connaissent, vous ne saviez pas? Non. Salut, messieurs. Joseph Mortemart, je suis guide expert. À votre service. Lui, sergent, c'est un vieil escroc alcoolique. Comment peut-on dire des choses pareilles? Ne faites pas attention. Et il y a du raisin aussi. Je vois que vous et vos collègues venez de débarquer. Vous avez besoin d'être protégés des marchands indigènes. Si vous me permettez de prendre vos intérêts, vous bénéficierez de mes 40 années d'expérience en Afrique. Je connais toutes les coutumes de cette contrée, ainsi que vous pouvez le voir. Je suis diplômé de la Sorbonne. Vous importunez le sergent. Oui, foutez-moi le camp. Eh, restez par là, je vous parlerai tout à l'heure. Parfait. Parfait, si vous ne voulez pas de mes services. Bien le bonjour, monsieur. Vous désirez quelque chose? Oui. On va s'occuper de vous tout de suite. T'en bas. Vous voulez des effets militaires? Non. Avez-vous des vêtements civils? Mais oui, par ici. Que puis-je faire pour votre service? Comment c'est de l'autre côté de la rivière? Chez les Belges en Congo? Ouais. Pire qu'ici, si vous êtes sur une plantation de caoutchouc. Bien sûr, c'est du nanan si vous y étiez comme propriétaire. Pourquoi? Vous seriez comme un véritable coq en pâte. Vous donnez des ordres, et un beau jour, quand vous en avez assez, vous retournez chez les civilisés où vous vivez comme un grand seigneur. Et que coûte une plantation? On pourrait peut-être en trouver une avec 6 ou 8 mois de solde. Si vous voulez que je me renseigne, je puis. Non. Nous verrons ça d'ici un mois ou deux. À votre disposition. Voici des vêtements civils, monsieur. Non, j'en veux pas. Mais vous demandiez... J'ai changé d'avis. Non, je voudrais quelques chemises militaires et ce que vous avez vendu aux autres. Vous, dans quelle direction ils vont vous envoyer? J'ai entendu dire qu'il y en avait qui devaient partir pour la Libye. Ah, vous voilà. C'est une bonne nouvelle pour vous. Nous partons demain. Quoi, déjà? Où allons-nous? Sur le front d'Afrique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous partons vers le nord pour une mission. Rejoindre les Anglais? Je sais seulement que nous allons en direction du Tchad. Alors ça y est. Et nous partons tous ensemble? Oui, tous. Cette nouvelle vous plaît, adjudant? Beaucoup, mon lieutenant. Comment avez-vous dit? Adjudant, vous venez d'être promu. Eh ben, nous allons faire une jolie croisière. 10 jours sur le Congo. Thank you.
Indigène abandonné. Allons les gars, mettons-nous au travail. Pourquoi s'arrête-t-on ici? Cocherie veut astiquer ses grenades. C'est le terminus. Qu'est-ce que ça veut dire? La fin du voyage. Les frites sont venues si loin que ça? Non, certainement pas. Nous allons installer un terrain d'atterrissage. Je me suis engagé pour aller à la bagarre et pas pour déblayer la jungle. Vous aurez encore l'occasion de vous battre, Hafner. J'aurais dit à Brazzaville que je voulais me battre tout de suite. Vous êtes porté comme opérateur radio sur votre livret. Nous aurons besoin de vos services. Mon lieutenant, les Boches ont tué mon grand-père pendant la guerre de 70. Je n'ai pas eu l'occasion de me bagarrer. Et maintenant, je suis encore de la refaire. Il faut que vous acceptiez les ordres comme chacun d'entre nous, Hafner. Mais mon lieutenant... C'est tout. Déchargez les camions. Le sergent vous désignera les emplacements. Du courage, c'est pas si mal après tout. Dans 10 jours, le poste sera construit et prêt à fonctionner. Il ne restera plus qu'à achever la préparation du terrain. Cette terre où nous sommes est française. Elle ne ressemble pas beaucoup à celle de France, je l'admets. Mais regardez le ciel. Il est bleu comme celui de chez nous. Et plus tôt les appareils alliés survoleront notre camp, plus tôt les avions ennemis seront chassés du ciel de Notre-Dame. Allez, au travail! Vous prend, mon vieux. Allons, du cran. Pour mon goût, je préférerais un toit de tuiles, oui. Il faudra vous contenter de ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Des cannibales. Des cannibales. Quoi? Je sème les graines que j'ai achetées à Brazzaville. C'est de la bonne terre. Dans 2 mois, nous aurons nos propres légumes. Si les fourmis rouges ne s'y mettent pas. Pourquoi mettez-vous pas de l'essence dans la rigole? C'est une bonne idée. Il vous faut un truc pour vous rappeler la Normandie, hein? Oui. J'ai quelque chose de mieux par là. Venez. Ce sont mes souvenirs. Voilà. Ça, c'est ma femme et mes 2 enfants, Sébastien et Alice. Sébastien aide sa mère aux travaux de la ferme, si les Allemands ne l'ont pas emmené. Ça, c'est Jeanne-Marie, la sœur de ma femme. Ça, c'est le ticket de métro de mon voyage à Paris il y a 3 ans. J'étais si content de prendre le métro. Et ça? C'est un avis du percepteur de l'année dernière. Ça, c'est le comble. Et vous, vous aviez beaucoup d'impôts? Oh non, mes affaires n'ont pas été brillantes l'an passé. Une photo que ma petite Alice a prise avec l'appareil que je lui ai acheté. Ça, c'est le petit chemin qui mène de mes champs au village. Je m'arrête pour souffler sous cet arbre. De là, je peux voir le toit de ma ferme. Je sais que dans 5 minutes, je serai à la maison. Mon père avait l'habitude de s'arrêter là un moment. Bien sûr, on ne se rend pas compte à quel point il est joli, ce chemin. Et tout ce qui me reste maintenant, ce sont mes meilleurs souvenirs. Des souvenirs? J'ai pas de souvenirs. Et je vis tout de même. Alors. Ah, bœuf bouilli au riz. J'avais peur de revoir sur la table le riz au bœuf bouilli d'hier. Ou le riz sans bœuf d'avant-hier. Ou le bœuf sans riz de dimanche dernier.
Je propose qu'on passe notre cuistot en cour martiale et qu'on en fasse des côtelettes. Dans deux mois, nous aurons tous les jours des légumes frais. Dans deux mois? Oui. Le terrain sera certainement prêt d'ici là, mon lieutenant. Non seulement prêt, mais déjà en service, ce qui ne signifie pas que nous partirons d'ici. Mais on nous avait fait comprendre... Je me moque pas mal de ce que je vous avais fait comprendre. Et vous oubliez quelque chose. Qu'est-ce que j'oublie? Notre petite entente. On ne parle pas de service à table. Aucune discussion. Nous sommes tous une grande et paisible famille. N'ai fait d'observation à personne. Je tiens seulement à vous prévenir. Il ne faut pas espérer que vous lèverez le camp quand le terrain sera achevé. Qu'est-ce que vous avez, mon lieutenant? J'ai un étourdissement. Oh, c'est pas grave. Dans ce petit coin de paradis, moi, je suis tout le temps étourdi. Vous feriez bien de prendre de la quinine et d'aller vous étendre. Oui, ça vaudrait mieux. Restez assis. Lafarge, prenez le commandement. J'y tiens pas du tout, mon lieutenant. C'est un ordre, Lafarge. Vous savez obéir aux ordres, n'est-ce pas? Oui, mais j'aime pas en donner. Ah, ben voilà, copain, hein? Peu importe que ça vous plaise, d'un instant où vous le faites et vous le ferez. Je sais beaucoup de choses sur vous. Que savez-vous? Votre conduite. En France, alors qu'il ne reste plus qu'un tiers des effectifs de votre régiment, il a fallu positivement vous obliger à battre en retraite. Oh, ouais. Je sais ce que je fais en vous passant le commandement. Veillez à ce que les hommes fassent leur travail. C'est bon, et s'ils le font pas, je les mènerai à la baguette. Ah, vraiment? Laisse, ouais. Il trouvera à qui parler. Venez au rapport après l'appel du soir. Attendez. Il faut que je retourne à ma base. Au revoir, bonne chance. Au revoir, au revoir. Merci pour les cigarettes. La prochaine fois, portez-nous des journaux. Oui, des journaux sérieux. Fais ça, avec des quantités de photos de petites femmes. On viendrait vous faire un petit tour. On ne peut pas savoir, ils préparent une grande offensive en Libye. On aura besoin de moi. Alors, au revoir. Au revoir. Bon voyage. Au revoir, messieurs. Au revoir. Grande offensive se prépare en Libye. Petit bonhomme, il ne pourrait pas changer de disque. 8 jours et 8 nuits. Et tout le temps, cette même rengaine. C'est de la musique. Vous entendez, les gars? Ça, c'est de la musique. Je ne dis pas que c'est du Beethoven. C'est primitif, ça leur ressemble. Ma parole, si ça continue, je vais devenir primitif aussi. M'accrocherai aux branches en sautant d'un arbre à l'autre. Il y a des types qui se battent. Les Italiens ont été rejetés à la mer en Albanie. Et nous n'avons pas assez d'hommes pour les chasser de l'Égypte. Et pendant ce temps-là, on regarde la pluie. On nous oublie. Je voudrais bien savoir s'il pleut en Normandie. Au printemps, il y avait des averses comme ici. C'est à Lyon que la pluie, c'est de la vraie pluie. Là, c'est magnifique. Rien n'est plus beau que la pluie sur Paris. Paris. Les rues, les boulevards, toute une foule de gens qui se faufilent dans tout ce trafic. Les ciné, les femmes. Ça, c'est la vie. Quand on est jeune, peut-être. Mais quand on devient vieux, rien ne vaut la campagne. Moi, quand je serai vieux, je prendrai ma retraite. Dans 22 ans, un mois, 6 jours, je quitterai ma banque. Tous les samedis, j'amenais mon ami danser dans une boîte de nuit. J'ai été une fois dans un café à Paris. Ça ne me plaît pas. Non, il n'y a pas d'air. Même pas le grand air.
Parle-moi d'un dancing où tu peux couper la fumée au couteau, tu serres la petite contre toi, tu te laisses entraîner par le jazz. Ça, c'est de la musique, mon vieux. C'est une voyante. Oui, elle dit la bonne aventure. Vous voulez la voir? Oui. La voilà. Oh. Ah. Oh. Ça alors. Et sentimental et tout, spécialement en avril. Je ne sais pas pour quelle raison, mais dès qu'elle sent le printemps dans l'air, elle se sent toute chose. Moi, c'est l'été que je préfère. Le dimanche, avec ma mère et ma fiancée, on allait pique-niquer au bord de la Saône. Les vendanges, l'odeur des grappes bien mûres, ça suffit parfois pour vous saouler. Moi, c'est Noël qui me plaît le mieux. Tout le monde est heureux à la Noël, surtout les petits. Il y a toujours de la neige dans les champs. Et puis j'aime le son des cloches à minuit. C'est... Ah, fermez vos gueules! Ah, vous et vos souvenirs, c'est toujours et toujours les mêmes boniments. Le passé est mort et enterré. Qui reste où il est? Qu'est-ce qu'il a avalé aujourd'hui? Peut-être bien qu'on lui a à peine. Hein? Quoi? Vous savez, il m'a dit une fois qu'il ne savait pas ce que c'était que les souvenirs. Il a de la veine. Encore vous, qu'est-ce que vous voulez? Faut pas vous fâcher, je voulais quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez me donner? Ma petite belle-sœur. Quoi? La sœur de ma femme, Jeanne-Marie. Je pensais qu'elle vous plairait, je suis sûr que vous lui plairiez. Oh, laissez-moi tranquille. Je l'ai découpée pour vous. Allez-vous-en. Vous aurez l'impression d'être de la famille. Ça vous fera un joli souvenir. Foutez-moi le camp. Vous avez abîmé votre photo. Oh, ça n'a pas d'importance. Vous disiez que c'était un de vos meilleurs souvenirs. Justement. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui, mon commandant. Je les entends. C'est leur artillerie lourde. Ils pilonnent nos positions à l'ouest. Ils ont envoyé des parachutistes derrière nos lignes. Ils veulent nous encercler. Mon lieutenant. Ils nous tirent dessus derrière cette porte. Réveillez-vous, vous rêvez, mon lieutenant. Ils essaient de nous isoler. Mon lieutenant, vous n'êtes pas en France. Non, 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 voilà qu'ils ont pris toute la France. Vous êtes en Afrique, ce ne sont pas des coups de feu. Mais laissez-moi, je les entends bien, moi. Ils nous ont suivis jusqu'ici. Hafner. Rassemblement. Hafner, Couteau, Cocherie. Hafner. Couteau. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le lieutenant a perdu la tête. Venez. Mais il faut le remettre dans son lit. Viens ici, salaud. C'est toi que j'attendais. Il nous tire dessus. Planquez-vous. Je vous descendrai tous. Non, je viens ici. Je me charge de lui. Portons Varenne sur son lit. Mettez-le sur mon dos. Doucement. Je vais chercher la boîte de pansement. Est-ce que je vais mourir? Oh, la ferme, vous passerez encore pas mal de Noël chez vous en Normandie. Ça vous plairait, les Noëls de chez nous? Les petits-enfants préparent leurs chaussures devant l'âtre. Et quand on revient de la messe de minuit, elles sont là toutes remplies de bonnes choses. Il y a des cadeaux pleins à la maison. On buvait du chocolat bouillant. Ah, bougez pas, bougez du pas. Du chocolat bouillant et on mangeait des brioches, comme seule ma brave mère sait les faire. Quand tout sera fini, promettez-moi de venir passer chez nous à Noël en Normandie, c'est promis. Promis, oui, c'est promis. Vous verrez, nous avons une grande cheminée. Débrouille bien. Pas vrai, Couteau? Très bien. On peut dire ça la peau dure, les Normands. Ah,
Qui a fait ça? Qui crois-tu qu'il ait fait? Ça vous plaît? Devant les feux de la rampe, je n'ai pas l'habitude de tirer la couverture. Je vous en prie. Puisque cette obligation m'échoit à la demande générale, je n'y soustrairai pas. Donc, il est de mon devoir, et il m'est agréable également de faire les honneurs. Quels honneurs? Vous verrez. Mon adjudant, nous tous les sous-signés, ou pour mieux dire, ici présents, tenons à vous exprimer nos remerciements pour les services que vous avez rendus à notre petit groupe. Si quelques-uns d'entre nous, tout au début, vous détestez, nous avons, et je ne parle pas seulement pour moi, nous avons fini par admirer votre grandeur d'âme, votre zèle infatigable, votre esprit d'initiative dans les pires difficultés, vos nombreuses preuves d'amitié. Un discours. Je peux pas faire de discours comme Bouton. Oh, pas la peine, un seul dans ce genre-là nous suffit. Ben, je sais pas trop quoi dire. Personne m'a jamais fait de cadeau. Vous l'entendez? Pas de blague. Ça, c'est de ma part. J'espère que ça vous plaira. Merci. Oh, vieux, des pommes. J'en ai pas vu depuis que j'ai quitté la France. Il y en avait à Brazzaville, elles étaient grosses comme des cerises, à 10 francs pièce. Mon, j'ai dû faire un héritage. La suite. Qu'est-ce que c'est? Une paire de pantoufles. C'est ce qu'il me fallait. si, mais oui. Et brodé à la main. Hein. Il a tout fait par lui-même, c'est un maître pour les travaux d'aiguille. Oh, pas d'histoire, je les ai fait venir de Brazzaville. Oh. Qu'est-ce que je vais faire de ça? La mettre? La guerre ne va pas durer éternellement. Mais oui, voyons, il a raison. Oui, c'est juste. C'est un porte-bonheur. Un trèfle à quatre feuilles. Un peu de chance, ce serait pas du luxe. Merci. Alors, adjudant, ça vous fait plaisir de recevoir tant de présents? Beaucoup. Et vous êtes heureux d'être sur pied? Ah, c'est mon plus beau cadeau de Noël. Nous avions préparé quelque chose pour vous, mais nous sommes contents que vous ayez pu venir. Merci. Il vaut mieux que vous retourniez à votre radio. Bien, moi, je vais vous servir un peu de chocolat. Qui veut un morceau de gâteau? Qu'est-ce qui vous est arrivé? À moi? Oui. Voilà, j'étais... Il a honte de vous le dire, mon lieutenant. Pourquoi? Ben, vous savez, quand un soldat se blesse lui-même, il tient pas à le crier sur les toits. Comment? Il s'est blessé? C'est vrai, mon lieutenant. J'étais... Il nettoyait son fusil, alors vous comprenez, par mégarde... Oui, c'est exact. C'est un empoté. Un maladroit comme moi, mon lieutenant, c'est pas volé. Je comprends. Merci, Lafarge. Ça fait tout drôle de l'entendre si loin de chez nous. De l'Albertol à Londres. Il est 10 heures ici, minuit là-bas. Le monde est petit, elle est belle, notre Marseillaise. Le plus grand appel aux armes qu'on ait mis en musique. D'une nation qui n'a jamais désiré qu'une seule chose, la paix. Pas la paix, nous avions la paix, qu'en avons-nous fait? Ce chant est un cri de justice et de liberté. Liberté. Mon père a perdu ses deux jambes en 1914. Deux gars de mon pays ont été tués l'an dernier. Mes deux frères sont prisonniers de guerre en Allemagne. Toute ma famille est morte pour la liberté. Il n'y a pas de mort qui soit plus digne d'envie. N'est-il pas vrai, Lafarge? Pour moi, rien ne valait la peine de mourir. Avant.
Messieurs, de bonnes nouvelles arrivent de Brazzaville. Un important convoi traverse Fort Lamy et rejoint De Gaulleville. Passez le commandement au sous-lieutenant Ménessier du 10e d'infanterie coloniale et joignez-vous au convoi. Oh, c'est pas trop tôt, je commençais à avoir des fourmis dans les doigts de pied. Nous aurons très bientôt ces saligots face à face. Les Allemands les plus proches sont à 3000 km d'ici, Abner. Et après, on s'en approche tout de même. C'est bon, tenez-vous prêts pour le départ, messieurs. Vive le général De Gaulle. La parole. Lieutenant, ceci vous concerne tout personnellement. Faisant suite au rapport du lieutenant Varenne, l'adjudant Lafarge, daté de ce jour, est promu au grade de sous-lieutenant. Il prendra le commandement de la 4e compagnie en liaison avec le lieutenant Varenne. J'ai rien fait pour mériter cet avancement. Allez-vous le refuser? Non, puisque c'est un ordre. Parfait. Je crois que vous n'auriez pas parlé ainsi il y a 4 mois. Peut-être pas. Tout à fait au début, je me méfiais de vous. Et c'était réciproque, n'est-ce pas? C'est vrai. Vous étiez insolent, soupçonneux, indifférent. Et puis un changement s'est produit. Un changement qui s'opère chez les hommes qui tombent amoureux. Amoureux? Moi? Oui. Vous vous êtes pris à aimer la France, à 1500 lieues du pays. Laissez-moi vous féliciter. C'est une belle fille que notre France. Et si vous jouez franc jeu avec elle, elle ne vous abandonnera pas. La route pour Fort Campbell est assez rude, mais avec de la chance, vous pouvez y être à minuit. Parfait. Vous resterez sans doute pendant quelque temps à Fort Lamy avant de monter en première ligne. Là, ça commence à barder. C'est un long voyage? À peu près 3000 km. Oh. Puisque vous prenez le commandement du poste, permettez-moi de vous donner la clé de la cité. C'est pour le réservoir d'eau. Très bien. De quelque côté qu'on se retourne, le monde est mal foutu. Vous voulez vous battre pour votre femme, votre ferme, vos gosses, et vous restez là à tuer des serpents et chasser des moustiques. Et moi, j'ai que ma peau, j'ai rien d'autre. J'ai aucune envie de me battre. Et voilà qu'on m'envoie au casse-pipe. Adieu, paysan. Peut-être bien que je ne vous reverrai plus. Je sais pas, mais je tiens à vous dire une bonne chose. Vous êtes le seul ami que j'ai jamais eu dans cette garce de vie. Vous êtes un brave type. Enfin, alors au revoir, mon... Voilà. Ne fais pas d'imprudence, enfin, hein. Et surtout, souhaite bien nos légumes. Hé, dites bonjour à Jeanne-Marie de ma part. Radio Brazzaville, poste officiel de la France libre. Après une bataille, il a fait rage pendant 5 semaines. Le quartier général du colonel Leclerc annonce la restitution de l'oasis de Soufra. L'après-midi du 28 février, les Italiens ont hissé le drapeau blanc. Le colonel Leclerc, sans aucune escorte, a pénétré dans la place forte et a remis un ultimatum exigeant restitution sans condition. Une demi-heure plus tard, les Italiens rasés de près, dans une tenue impeccable, ont défilé dans leurs uniformes chamarrés d'or devant nos hommes déguenillés, épuisés par les fièvres et les privations. Ainsi s'achève une campagne glorieuse, menée par une poignée d'hommes déterminés, dont l'armement consistait en un seul canon mobile, monté sur truc, qui changeait sans cesse de position, donnant ainsi à l'impression d'une attaque massive d'artillerie partant de tous les côtés. L'histoire n'oubliera pas la force d'armes de ces hommes, dont les noms sont inscrits à côté de ceux de leurs frères d'armes. Le sergent Pierre Thier, le caporal Jacques Delattre, et le lieutenant Maurice Lafarge, le vrai héros, le vrai français. Non, mademoiselle, je vous répète que je ne puis absolument rien pour vous. Mais il faut que je le retrouve, il le faut. Nous ne pouvons donner aucun renseignement concernant les hommes en temps de guerre. Puisque votre radio a nommé Lafarge, vous pouvez bien... Lafarge est un nom très répandu. Je sais que c'est lui. Londres affirme qu'il est ici.
Aidez-moi à le retrouver, lieutenant. Je regrette. Mademoiselle, mes salutations. Je me présente Joseph Mortemart, guide expert et conseiller. À votre service, mademoiselle, mes honoraires sont peu élevés. Je suis un érudit, diplômé de la Sorbonne. Je vois au premier coup d'œil que vous êtes dans l'ennui. Vous faudrait-il un passeport, un visa, permis de circuler? Êtes-vous à la recherche de quelqu'un, peut-être? D'un mari, d'un amant, d'un ami? Désires-tu mon autographe? Vous savez, après la bagarre, on était coincé à Port-Lamy. Alors on a demandé à revenir ici, on voulait vous revoir encore, paysan. Ah, ça c'est chic. Mais où est Hafner? Il est tombé le premier. Sans avoir eu l'occasion de se battre? Non. Et Varenne? Il est à l'hôpital, à Port-Lamy. Il est un peu rapiécé, mais il s'en sortira s'il a de la veine. Voici le lieutenant Varenne. Lieutenant Varenne? Oui. J'ai entendu citer le nom de Lafarge à la radio. Pouvez-vous me dire où il est actuellement? Je pense qu'il a dû retourner à De Gaulle Ville, dans la jungle. Oh, c'est dommage. J'aurais voulu le voir. Pourquoi? Est-ce que vous le connaissez? Oui. C'est mon meilleur copain. Merci, mon lieutenant. Messieurs! Du champagne. Oh. Un cadeau du colonel de Boivin, venu par avion. Du vrai champagne. Un discours s'impose. Oui, un discours. Non, pas de discours. Votre dernier speech est suffisant comme ça. Parfait, messieurs, pas de discours. Mais j'ai une importante déclaration à faire. Cette note de service est venue avec le champagne. Ordre du jour. Grand quartier général en date du 15 mars 1941. Maurice, Lucien, Pierre, Lafarge est décoré de la médaille militaire et croix de guerre avec palme. D'autre part, Maurice Lafarge est promu au grade de lieutenant. Bravo, félicitations. Je suis content. C'est pas de la blague, mais la vie va devenir impossible avec vous. Attendez, messieurs, ce n'est pas tout. La remise de décoration aura lieu le 1er juin à De Gaulleville. Signé, colonel Hubert de Boivin. Le 1er juin. Dans deux semaines, et ici. Oh. Quelle belle journée ça va être. Oh, ça c'est pas juste, on y était tous, on s'est tous battus. Ça fait rien, à vous les médailles, à nous la gloire, c'est régulier. Oui, c'est vrai. Allons, messieurs, levons nos verres. Buvons à notre nouveau lieutenant. Eh ben, buvons à l'amitié. À Hafner. À Varenne. À la Normandie. À la France. À l'Angleterre. À la Russie. Et n'oublions pas ceux qui nous envoient le matériel dont nous avons besoin. Je bois à la mairie. Eh bien, messieurs, j'espère que le champagne était de bonne qualité. Oui, mon colonel. Les hommes sont rassemblés. À vos ordres, mon colonel. Garde à vous, ouvrez le banc. Maurice Lucien Pierre Lafarge, officier de mérite et de grande valeur morale, engagé au premier jour de la guerre, a fait preuve d'initiative et de courage au combat. Le 22 mai 1940, aux heures sombres de la campagne de France, pendant la retraite de Champagne, alors que son bataillon était encerclé, a donné l'ordre d'accomplir une manœuvre audacieuse. En tenant en échec l'avance ennemie, a permis à ses hommes de se replier et de sauver leur matériel. Est cité pour sa bravoure, décoré de la médaille militaire et croix de guerre avec palme, et promu au grade de lieutenant. Citation n'est pas destinée. Elle est pour Lafarge, qui s'est battu en France il y a un an. C'est Lafarge que l'on décore. C'est pas moi. C'est pas pour Couffrat.
Mon lieutenant, les copains sont tous au bar et vous réclament. Ils veulent boire à votre santé. Non, merci. Quoi? Mais il faut venir, nous sommes très fiers de vous. Deux fois héros, maintenant à Koufra, il y a un an en France, et vous nous aviez jamais parlé de vos exploits. Nous ne pouvions pas en croire nos oreilles. Écoutez, monge, je ne suis pas Lafarge. Quoi? L'homme qui en France avait mérité ses décorations est mort. Mort, comprenez-vous? Mort? Mm-hmm. Une bombe allemande. Je lui ai volé ses papiers. Je lui ai volé son nom, son uniforme, son passé. Je suis un repris de justice. Je suis un assassin. J'ai tué un homme, vous comprenez? J'ai tué un homme. J'ai trouvé une occasion d'être libre. J'en ai profité. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais payer la note. Ah oui? Non, non. Non, je ne veux pas mourir sur la guillotine. J'ai pas peur de mourir, mais je veux que ce soit pour le bon motif. Et c'est tout. Alors, qu'est-ce que vous pensez de votre Lafarge maintenant? Merci. Dieu me pardonne, une femme! Réveille-toi, empaillé, il y a une femme! Quoi? Me crois-tu capable de tomber dans le sommeil pour un chien? Mon chapeau, il s'agit d'une femme! Mon chapeau! Mais sais-tu ce qu'elle veut? J'espère que c'est moi! Oh. À mon chapeau! Une femme! Où est-ce que j'ai bien pu fourrer mon peigne? Si tu n'en veux plus, inutile de me chercher, hein? Attends-moi, veux-tu? Une femme! Ah, noble dame, bienvenue à De Gaulleville. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Étienne Bouteau. Vous n'êtes pas venu chercher quelqu'un spécialement, je l'espère. Puis-je voir le lieutenant Lafarge? Moi, je m'appelle... En tant que guide bénévole, permettez-moi de vous montrer les beautés de ce petit paradis. Droit devant nous, vous... Vous disiez Lafarge? Oui. C'est bien ce que je craignais. Je vais vous conduire à lui. Merci. Mais voyons, le lieutenant repose. C'est bien, nous pourrions peut-être faire un petit tour en attendant. Je vous en prie. Alors, venez. Réveillez-vous, mon lieutenant. Votre rêve vient vous rendre visite. Oh, pardon, madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais voir le lieutenant Lafarge. C'est moi, le lieutenant Lafarge. Pardonnez-moi, j'ai tant espéré. Quelqu'un de votre famille? Non. Mon fiancé. Nous étions séparés au début de la guerre. Je ne voulais pas quitter la France, mais Maurice insistait. Je suis partie pour l'Angleterre. Là-bas, j'ai perdu sa trace. Personne n'a pu me renseigner sur lui. Jusqu'au jour où j'ai rencontré des soldats des forces françaises libres qui m'ont dit que Maurice combattait en Afrique. Mmh. Et puis? J'ai pu embarquer à bord d'un petit caboteur. Un voyage affreux. À Brazzaville, on n'a rien voulu me dire. Et là, ça a recommencé. Des semaines d'attente, des traces qui ne menaient nulle part. Puis, j'ai appris qu'il avait été à Koufra. J'ai rencontré un pauvre vieux qui connaît bien le pays et... Pardonnez-moi, je vais m'en aller. Je n'ai jamais vu une femme pareille. Elle est vraiment infatigable. Elle ne pense plus à manger. Elle en oublie même le sommeil. Elle n'arrête pas une seconde sans se préoccuper de la chaleur. Un miracle qu'elle soit encore en vie.
un miracle que moi je ne sois pas mort. En fait, je suis presque mort d'inanition et de soif. Oui, de soif. Surtout de soif. Oui, oui, je vois ce que c'est. Il y a une chose incompréhensible. Maurice a été décoré. Ici. Oui, la citation a été publiée dans le journal. Qui êtes-vous? Je vous l'ai dit, Maurice Lafarge. Il ne peut y avoir deux Maurice Lafarge. Le vôtre est mort. Quand? Où? En juin 1940, sur une route de France, une bombe allemande. Il est mort dans mes bras. Comment se fait-il que vous ayez ces papiers? Je les ai pris. Pourquoi? Parce que c'était la seule chose qui me manquait. Un nom. Et vous avez accepté les honneurs. Les honneurs qui lui étaient destinés. Je les ai pas recherchés. Et j'y tiens pas. Vous les avez acceptés. Je savais pas. Vous les avez acceptés. Je vais vous dénoncer. Je vais tout dire. Allez. Allez tout leur raconter, ce que je suis, qui je suis. Ça vaudra beaucoup mieux. Et le plus vite possible. Allez, que je vous dis. Demande pardon, mademoiselle. Je peux vous aider? Cet homme est un imposteur. Il faut le démasquer, je vais le faire immédiatement. Non, croyez-moi, vous auriez tort. On a tous été obligés de quitter notre foyer il y a un an. On est venu là espérant trouver le chemin du retour. Ça a été une route longue et pénible. Tout ici nous était hostile. C'était comme un autre monde, dur, cruel, avec lequel il fallait se battre ou mourir. Sans lui, nous n'aurions jamais pu tenir. Il avait plus de cran que nous, tellement de courage. Il était comme un père pour chacun de nous. Cet homme? Oui. Quand on avait le cafard, il nous remontait. Il nous soignait quand on était malade. Il faisait tout pour nous faire oublier nos soucis. Quand il y avait du danger, il était toujours le premier à l'affronter. Mais c'est un imposteur. Vous ne savez donc pas ce qu'il a fait à Couffrin? Réfléchissez, voyons à quoi lui serviraient les honneurs rendus à un homme qui s'est battu il y a un an. Pourquoi a-t-il accepté ces décorations? Il en a été le premier surpris. Il pensait qu'on le décorait pour Couffrin. Je ne crois pas. C'est vrai. Écoutez, mademoiselle, si vous vouliez vous venger, eh bien ça ne pourrait pas le toucher. Il ne craint ni la vie ni la mort. Mais c'est à nous que vous feriez du mal et à la cause que nous défendons. Querelle d'amoureux? Faut pas lui en vouloir, mademoiselle. Il n'est plus le même homme depuis qu'il a été décoré. Non, c'est plutôt les fièvres. Où est le quartier général? À Fort-Lamy. Est-ce que c'est très loin? Il y a un bon bout de chemin, mademoiselle. Où va-t-on? Fort-Lamy. Messieurs, aujourd'hui, 18 juillet, les forces françaises libres ont un an. C'est un anniversaire, pas moins. Et c'est à moi qu'on demande un speech. Je n'essaierai pas de dire ce qu'ensemble nous avons accompli. Nous avons perdu beaucoup d'hommes dans cette tâche. Des amis, mais ils ne seront pas oubliés. Avant tout, je veux souhaiter la bienvenue à de nouveaux compagnons. Voici Colomba, qui entra à Damas avec le général Cato. Et Baudouin, qui s'est distingué à Tobruk. Varenne et Lafarge, dont vous connaissez tous les exploits à Couffrin. Messieurs, la prochaine tournée est pour moi. Enfin, je ne vous ai pas vu depuis qu'ils vous ont rafistolé. Je tiens à vous remercier, si vous le permettez. Oh, allez, parlons plus de ça. Au moins, laissez-moi vous rendre un service. Écoute, j'ai pris pour vous un rendez-vous. Blonde ou brune? Non, 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 ah. Pas un rendez-vous comme ça.
C'est un de vos vieux copains. Clausel. Je connais pas ce nom. Et il prétend vous connaître. Écoutez-moi, mon vieux, il y a des quantités de gens qui croient me connaître. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais il était dans votre secteur en Champagne. Il vous connaît très bien. Quand il m'aura vu, il dira « Pardon, mon vieux, mais je vous avais pris pour un autre. » Tout de même, je lui avais promis fermement d'organiser une rencontre. Non, croyez-moi, c'est inutile. Encore une fois, la même histoire. Oh, je vous en prie. Après m'avoir sauvé la vie à Koufra, vous me devez bien quelque chose, n'est-ce pas? C'est bon, comme vous voudrez. Où est-il? Au café Tulette. Il n'est pas officier, il ne peut pas venir aux messes. Pardon, mon capitaine, j'étais impatient. Où est-il? Le voilà. Oh. Je m'excuse, c'est une erreur. Qu'est-ce que je vous disais? C'est que, vous savez, Lafarge était un de mes meilleurs amis et je vous demande pardon. Pas d'importance. Eh bien, je vous verrai demain, Varenne. Excusez-moi. C'est rien. Je vous dérange, mademoiselle, mais je voudrais un peu de quinine. Tout de suite. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi ne m'avez-vous pas dénoncé? Je suis là parce que je ne sais pas où aller. Il n'y a plus personne qui m'attende. Vous avez parlé? Non. Pourquoi? Maurice Lafarge est vraiment mort. Oui, je vous l'ai dit. Celui qui était en Champagne. Oui. Voici ses papiers. Il faut que je vous avoue quelque chose. J'ai menti, il n'est pas mort dans mes bras. Je ne l'ai pas connu. Il est mort près de moi et je lui ai volé ses papiers. Et j'en suis heureux. Oui. Parce que depuis le jour où je les ai pris, j'ai commencé à vivre. Je n'avais jamais eu de bonheur. J'ai toujours été maltraité. J'ai grandi dans un orphelinat. Révolte et faim, c'est tout ce que je savais. Je me rappelle qu'un jour, je suis allé dans un restaurant. J'étais si affamé que j'ai pris tout ce qu'il y avait sur le menu. Je ne pouvais pas payer. Alors on m'a mis dans une maison de correction. Et la même histoire recommence. Révolte et faim. Et pour finir, je suis versé au bas de daf. Fièvre, sueur, bled. On se révolte. Et puis un beau jour, un nommé Clément finit par tuer un homme. C'était moi, Clément. Ouais. On m'a mis en prison. Et je me suis évadé. J'étais encore seul. Seul, comme toujours. Mais depuis que j'ai pris ces papiers, je ne me suis plus senti seul. Je suis devenu un autre homme, un homme avec des amis et un pays. J'ai des souvenirs. Des souvenirs, comme tout le monde. J'ai appris la valeur d'une poignée de main. J'ai appris des tas de choses. Il y a un an, on m'a dit des mots qui me paraissaient étranges. On m'a dit que la terre était douce. Je comprenais pas alors. Maintenant, je comprends. J'étais comme vous, toute seule. J'ai connu Maurice pour le perdre 2 mois plus tard. Et ces 2 mois sont pour moi toute la vie. Je l'ai aimé comme il n'est pas possible d'aimer. Je devrais vous haïr pour lui avoir dérobé les honneurs qu'il a mérités. Les héros sont vite oubliés. C'est humain. Mais grâce à vous, son nom demeure. Vous allez partir au front? Oui, bientôt. Bonne chance. Thank you.
c'est ce truc que tu nous joues? Ce truc, c'est du Chopin. T'es obligé de jouer ça? Je croyais que tu aimais la musique. Sans doute, mais je préfère quelque chose de plus gai, quelque chose qui fasse danser. Ah, tu veux un petit air de danse? Bon, que dis-tu de ça? J'ai eu tort, rejoue ton Chopin. Dis donc, serre-moi un whisky. Oui, monsieur. Alors, quelle nouvelle? J'ai entendu dire qu'on allait partir d'ici dans quelques jours. Ah oui, le bœuf bouilli au riz. Il paraît que le 7e va monter sur le front de Libye demain. On s'en fout, nous, du 7e. Il y a un de nos copains qui en fait partie. Il s'appelle Clausel. Il monte en ligne. Bonsoir, Clausel. Bonsoir. Vous désirez, monsieur Clausel? Un whisky. Hé, hey, t'as encore une petite place? Oui, grimpe. La route poudreuse, la petite route près de Tours, le camion, l'avion allemand. Qu'est-ce qu'il raconte? On sait rien, il est... Ah. Je ne peux pas le croire. Mais c'est vrai, pas d'erreur possible. Il lui a volé ses papiers. Aussi vrai que je suis devant vous, je m'en souviens parfaitement. Je suis resté longtemps dans le fossé. Quand je suis revenu à moi, j'ai vu cet homme qui fouillait dans les poches de Lafarge. Il lui a pris son uniforme. J'étais trop faible pour faire un geste. Pas même la force de penser. Je me suis évanoui. Que décidez-vous, mon capitaine? Nous sommes en guerre, Clausel. Nous avons besoin d'hommes courageux. On aura tout le temps de faire la justice quand la guerre sera finie. C'est votre opinion, mon capitaine? Oui, en effet. Mon capitaine? Restez, je vous en prie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il faut que je vous parle, mon capitaine. Oui, ben venez jusqu'à l'hôtel Tornade, on parlera en prenant l'apéritif. Ce n'est pas soif. Eh ben moi si, je suis assoiffé comme un chameau dans le désert. Il faut que je vous dise quelque chose. Oui, et si moi, je ne tenais pas à l'entendre? Vous devez m'écouter. Est-ce que c'est un ordre, lieutenant? C'est un ordre. Voulez-vous écrire? Écrire? Oui. Je sous-signais, par la présente, déclare que je ne suis pas Maurice Lafarge. Votre nom? Où êtes-vous né? Vous ne voulez pas répondre? Vous êtes accusé de vol sur le cadavre du sergent Maurice Lafarge sur une route entre Tours et Bordeaux le 14 juin 1940 et de vous être servi de son nom, état civil, papier et décoration. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Non, rien. Asseyez-vous. La parole est à l'officier chargé de l'accusation. Vous avez entendu l'inculpé. Il n'a pas de défense. Il admet sa culpabilité. Il cache son nom, son passé. Ce qu'il fait, nous ne pouvons que le deviner. Mais ce que nous savons, c'est qu'il s'est abrité derrière un uniforme, emblème de loyauté et de sacrifice. Ceci est le fait d'un traître. Il a accepté les honneurs et les décorations qui revenaient à un autre. C'est le crime d'un imposteur. Vous n'oublierez pas ce héros couché sur le bas-côté d'une route sous le ciel de France. Vous ne permettrez pas qu'il soit frustré de sa juste récompense par un homme dépourvu de tout honneur, par un homme indigne d'être soldat, indigne même du nom d'homme. À l'officier de la défense.
L'accusation a demandé qui est cet homme. À cette question, je puis lui répondre. Il fait partie de cette vaste armée de héros obscurs qui se sont battus pour qu'il fasse bon vivre sur cette terre. C'est l'un de ces milliers d'hommes qui, de tous les coins de l'univers, ont rallié cette voix qui criait « La France a perdu une bataille. Elle n'a pas perdu la guerre. » Ces hommes ne cherchaient ni aventure, ni évasion. Rien ne les obligeait à prendre les armes. Ils l'ont fait parce qu'ils l'ont voulu. Ce sont ces soldats qui, lorsque la France, aux heures sombres, fut battue par un ennemi supérieur en armes, refusèrent d'accepter la défaite. C'était pour la plupart des gens du peuple. Ouvriers, employés de banque, pêcheurs, fermiers, étudiants. Ils sont venus de tous les horizons, de bons, d'honnêtes Français. Ils pouvaient rester à l'arrière et vivre avec l'ennemi, mais ils ont fait un autre choix. Ils se sont embarqués pour la grande aventure sans espoir de profit, n'aspirant qu'à reconquérir la liberté. Sous un soleil meurtrier, épuisé de fièvre, de faim et de soif, mesurant leur pitoyable force contre un ennemi mieux armé et mieux équipé, démuni de tanks, d'avions, de mitrailleuses. N'ayant souvent d'autres armes que celles que Dieu leur a données, traversant les déserts arides, certains n'avaient d'autres souliers que ceux qu'ils avaient retirés à un ennemi mort. Ils ont contenu la marée adverse en Syrie, en Érythrée, où qu'elle soit apparue, tenant les lignes jusqu'à l'arrivée des renforts alliés qui luttèrent avec nous. Ils périrent sur tous les fronts, avec au fond de leurs yeux l'image d'une rue paisible et de fenêtres fleuries. Messieurs, l'homme que nous jugeons aujourd'hui est un de ceux-là, et non un des moindres. Je le connais mieux que n'importe qui. S'il fut un jour un scélérat, il s'est racheté dans la peine et le sacrifice. Il se plia à la discipline. Il inspira le courage et l'amour dans le cœur de tous ses camarades. Il força l'admiration sur les champs de bataille. On nous dit qu'il s'est abrité derrière un uniforme. Mais l'a-t-il déshonoré? Non. Il l'a couvert de gloire. Il s'est battu et continuera à se battre pour que la France puisse vivre à jamais et que ses enfants foulent la terre en hommes libres. C'est vrai. Un homme est mort au bord d'une route en France, mais il continue à vivre en cet autre homme qui a pris son nom et le glorifie. Le héros de Champagne se confond à jamais avec le héros de Couffrat. Et ensemble, ils portent le nom glorieux de Lafarge. Conformément à l'article prévu dans le code militaire, en texte et pensée, l'homme qui a usurpé le nom du sergent Maurice Lafarge et qui a refusé de décliner son identité, après jugement rendu par la cour martiale de Fort-Lamy, est condamné à la dégradation militaire devant le régiment rassemblé sur la place. Il sera rayé des cadres d'officiers et réintégrera le rang comme soldat de deuxième classe. Il se présentera ainsi devant ses camarades et passera devant les troupes que sa conduite a déshonorées. Je ne puis changer le code militaire. Dès demain, vous serez dirigé sur le secteur le plus exposé du front. Bien, mon colonel. Je n'ai aucune crainte quant à votre conduite future, mais je voudrais que vous vous inscriviez sous votre véritable nom. Non, je ne peux pas faire ça. Vous pouvez choisir n'importe quel nom. Le nom ne fait rien à l'affaire. Comme vous voudrez. Bonne chance. Comment? Vous me serrez la main, mon colonel? Et pourquoi pas? Je suis un assassin. Vous êtes l'homme qui est venu à moi en août 1940, qui s'est battu à Koufra, qui ne reçut pas la citation qu'il mérita,
par omission. Alors, adieu. Merci, mon colonel. Quatre hommes m'ont demandé la faveur spéciale d'être envoyés au front avec vous. J'aurais mauvaise grâce à leur refuser. Je vous félicite d'avoir de tels amis. Merci, mon colonel. Quelque chose. Salut Jeanne-Marie de ma part. Couchez-vous, bougez pas. La part, couche-toi. Adieu, repose bien.